Je m'appelle Clément Chartier, j'ai 28 ans et je viens de Niort. Je joue deuxième ligne. J'ai commencé le rugby à l'ARC Choret quand j'étais jeune. Ensuite, je suis parti à Niort, au stade Espinassou. J'ai réellement, on va dire, commencé ma carrière à 16 ans. Je suis parti à La Rochelle. Ensuite, j'ai fait Clermont, puis Colomiers, et là, je viens d'arriver. Je suis arrivé au rugby, bon, quand j'étais jeune j'en ai fait un petit peu, mais sans plus, sans vocation à vouloir arriver professionnel. Après, j'aime le sport quand même, tu vois, de base. Avant j'ai fait de la natation, avant j'ai fait aussi de la course à pied, donc tu vois, franchement j'aime le sport quand même. Donc j'ai une famille de sportifs. Là où j'ai vraiment commencé à avoir des ambitions là-dessus, c'est quand... Mon père m'a dit, viens, on va à La Rochelle, il y a des tests pour les jeunes, c'est le moment. Si je n'avais pas été rugbyman, vu que j'ai fait des études dans l'informatique, je me serais peut-être lancé un peu dans l'informatique, mais après, pas plus. Alors mes passions, bon, déjà le week-end, un peu de vélo quand c'est possible. Après, j'aime beaucoup le bricolage, je me prends beaucoup de passion là-dessus. Donc dès que je peux bricoler à la maison ou quoi, j'en profite, je le fais, et après passer du temps avec les copains, hein, y a rien de mieux. Mes ambitions, j'espère qu'on sera dans les qualifiés, dans les 6, et après tout est possible. Hein.